Année 2039. La guerre entre le monde de l'Est et celui de l'Ouest fait rage. La société Magnatron Corp a créé pour le compte de l'État des soldats cybernétiques, les cyborgs. Leur mission, remplacer les hommes au combat. Mais l'intelligence artificielle surpuissante de Magnatron est devenue autonome et s'est retournée contre ses créateurs, prenant ainsi le contrôle des cyborgs. Leur nouvel objectif, l'extinction de la race humaine. En seulement 3 ans, Magnatron a détruit la moitié de la population mondiale, installant peu à peu le chaos sur Terre. Mais des groupes de résistance se sont formés et continuent de lutter contre ces machines de la mort. Cette merde pour rien. Faut qu'on y retourne, Stacy, restez de l'autre côté. En espérant qu'elle s'en est tirée. Ils ont envoyé un de leurs toasters pour faire le ménage. Faut qu'on dégage. Ils vont nous localiser. Joe, essaie encore une fois. Vif argent pour Dynamite Joe. Stacy, tu me reçois? Je répète, vif argent pour Dynamite Joe. Allez, réponds, ma belle. Dynamite Joe pour vif argent. J'ai le regret de vous annoncer que vous allez devoir me supporter encore quelques temps, les gars. Heureux de t'entendre, Stacy. La zone est dégagée. Je me trouve dans le bâtiment d'en face et on dirait que les escadrons ont quitté le nid. Je vous rejoins. Ouais, fais gaffe à toi. Ils ont laissé le service de ménage sur place. Chef, faut vraiment qu'on dégage. Ok, bouge pas, ma belle. On arrive. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai pas franchement envie de moisir ici, les gars. Stone, récupère les affaires de Johnson et on s'arrache. Ah!
Nostromo pour Vif Argent. Code 18. Dynamite Joe, Johnson, Stone. Et Riz. Se sont fait exterminer par l'ennemi. Je demande une évacuation zone 4 dans 6 heures. Le sujet Alex Rain est introuvable. Terminé. Bien reçu, Vif Argent. Tiens bon, on vient te récupérer. Allez, Rain. Te relève pas, on en reste là. Échanger ton blaster contre mes tomates. Il te manque vraiment une case. Faudrait peut-être que je tape un peu moins fort. T'es sûr d'avoir frappé assez fort? Tu crois que je vais te laisser partir? Désolé, c'est pas très sport, mais tu vas pas vraiment laisser le choix. Et puis, j'ai clairement la dalle. Prenez garde à Barry, l'impitoyable boîte de conserve. Tiens! Oh non! Encore un jeu stupide. Fait par des humains stupides. Déjà de retour. Alors, tu as perdu quoi aujourd'hui, Alex? Gagné, tu veux dire. Les tomates de ce bon vieil Hanson. Tu as fait quoi pour les avoir ce coup-ci? Oh, pas grand-chose. Il s'est montré plutôt coopératif. Ah! J'en ai plus vu d'aussi belle depuis la destruction de ma réserve le mois dernier par sa saloperie de machine. Sans vouloir t'offenser, Barry. Je n'ai absolument rien à voir avec ces radiateurs sur pattes. Tu peux dire tout ce que tu veux, Alex. Bon, Barry, musique, maestro. Et c'est reparti! Alors, verdict ? Il manque encore un truc, Barry. Eh bien, ce n'est pas encore la bonne recette, on dirait. J'ai une petite question, Alex. Es-tu au courant que des gens se font tuer dehors, pendant que toi, tu te préoccupes du goût de ta putain de sauce tomate? C'est du suicide de retourner là-bas. Les pilleurs ne te laisseront pas entrer. Ils planquent toujours plein de bouffe dans leur entrepôt. Ils auront mis un truc pour ma sauce. Il faut y arriver avant la tombée de la nuit, Barry. Si Magnatron n'a pas déjà fait le ménage, surtout. Ah, ça c'est possible. Tu aurais moyen de les repérer? Je vais essayer. Mais mon radar est silencieux depuis 2 jours, ce qui n'est pas vraiment bon signe. Soyons prudents, Alex. On verra. Nostromo pour Vif Argent. J'arrive en zone 4. À vous. Nostromo pour Vif Argent, vous me recevez?
Nostromo pour Vif Argent. Je répète, Nostromo pour Vif Argent, vous me recevez? Nostromo, répondez. Ok. J'ai pas franchement le temps de jouer aujourd'hui. T'es sûr, poupée? Moi, j'ai plutôt l'impression du contraire. On va bien s'amuser. Allez, dépose tes armes à terre gentiment maintenant. Allez, voilà. C'est ça, va leur mettre la pâtée et surtout, tâche de rester en vie. Je veux pas moisir ici, moi. Et ben voilà, c'est parfait. Original. Merci pour le coup de main. Minute! Espèce d'enfant de putain! On n'insulte pas, maman. Bon, va falloir dégager. Tôt vont bientôt arriver. Alex! Mon radar s'est remis en route. Un patrouilleur est en approche. Ça sent pas bon, tout ça. Alex Rain? En personne. Attends. D'où tu connais mon nom? Un homme qui sait se battre et qui se balade avec une niée, ça ne court pas les rues. Je savais bien qu'un jour, je deviendrais célèbre. On dirait que le destin t'a mis sur mon chemin. Tu es celui que je cherche. Suis-moi. Tu crois pas que tu vas un peu vite, là? On vient à peine de se rencontrer. Désolé de couper court à ce début de romance, mais je viens d'intercepter un message envoyé par Magnatron. Le destinataire est un cyborg modèle 9000, qui est déjà en route. Il faut partir, Alex. Va falloir gérer notre nouvelle célébrité maintenant. Faut vite qu'on dégage. Suivez-moi, mon équipe doit venir me récupérer et me ramener au campement. Bon, je pense que c'est mort pour ma sauce tomate. J'espère que vous avez quoi cuisiner chez vous. Hey, après toi, ma jolie. Hey, Maïté. Mon nom, c'est Stacy. Une fille avec du caractère, c'est pas pour me déplaire. Ils ne vont pas tarder. Pas de pilleurs en vue. Mon radar à grille-pain semble s'être calmé. Enfin, pour le moment. Bon, maintenant, si tu me disais qui tu es et ce que tu veux de moi. Je fais partie d'un groupe de résistants.
Nous avons trouvé une arme qui pourrait détruire Magnatron. Mais pour l'utiliser, il nous faut l'aide d'une intelligence artificielle. Comme celle-ci. Ton ami, c'est la clé pour détruire les machines. Magnatron le sait, c'est pour ça qu'il est à vos trousses. Et voilà comment on passe de zéro à héros. Tu as la marque des guerriers Sirius. Toi aussi, tu sais te battre. Rejoins-nous, nous sommes sur le point de vaincre les machines. Désolé, mais c'est loin derrière moi tout ça. Contrairement à toi, j'ai plus personne à défendre. C'est plus ma guerre. Oui, enfin, t'oublies quand même qu'ils ont détruit ta dernière piole le mois dernier. Les enfoirés. Je suis la seule survivante du groupe qui était à votre recherche. Nous avons été surpris par les machines. Ces hommes étaient tous sous ma responsabilité. Navré pour ton équipe. J'espère que tu dis vrai. Notre monde est un cauchemar. Je ne me souviens plus de l'époque où les gens riaient, où les enfants jouaient. La joie et les sourires sont devenus peine et souffrance. Je te promets, Magnatron sera détruit. Je leur en dois bien une. Ah bon ? Je croyais que ce n'était pas ta guerre. Ben quoi ? Ce truc-là bouffe même pas le légume. Vive Argent pour Nostromo. Stacy, tu me reçois, c'est Booker. On arrive au point de rencontre dans 3 minutes. À toi. Bien reçu, Booker. On arrive. Suis-moi, ils sont là. Garrett est dans son labo. Il vous attend à l'intérieur. Merci, Booker. Je t'en dois encore une. Stacy ? Content de te revoir. J'aurais préféré ne pas revenir seule. Voilà, on est arrivé. C'est ici que s'organise notre défense contre Magnatron. Pas mal, ta pioule. Faudrait que tu montes la cuisine. Sinon, il est où ton Garrett ? Bonjour, monsieur Rain. Ravi de faire enfin votre connaissance. Alex, je te présente Garrett, notre scientifique. Stacy, navré pour Reese et ton équipe. C'était de très bons soldats. Monsieur Rain, vous avez l'IA avec vous ? Bien sûr qu'elle est avec moi. Par contre, je vous préviens. Vous faites vos affaires, et Barry et moi, on se rentre. C'est comme tu veux, Alex. Tu peux rester ici aussi longtemps que tu le souhaites. Je te laisse avec Garrett. Je vais te chercher des vivres pour ton retour, et je vous rejoins. Ça me va. Je vous en prie, venez avec moi, le temps presse. Voici où sont fabriqués les cyborgs. La Magnatron Corp. Et avec votre aide, on aura peut-être une chance pour la solution finale. J'espère que vous dites vrai. Je vous laisse faire connaissance. Salut, je suis Barry. La réponse à tous vos problèmes cybernétiques. Un grille-pain récalcitrant, un robot défectueux, petit, rapide et efficace. Barry les enverra tous à la casse. Sinon, plus sérieusement, je pense pouvoir vous aider à botter des culs.
Le C-030. Il est enfin sous mes yeux. Et en plus, il parle. Je parle, je pense, et je peux même me battre. Magnifique. Monsieur West, préparez-le. Très bien. Minute, les matheux. Vous lui faites quoi? Le C-030 va nous permettre de décrypter les dernières données et d'activer la solution finale. En d'autres termes, une bombe nucléaire prête à exploser. Ici même. Les grosses lunettes ont raison. Le nucléaire sert à fabriquer les cyborgs. Quand j'y étais, il y avait une bombe entreposée dans le sous-sol de la base. Ah! Dis donc, toi, t'es du genre rapide. Il nous faut décrypter ces données. C'est notre seule solution pour pénétrer leur système. Je comprends, mais là, tout de suite, la seule chose que tu pénètres, c'est moi. On va en finir avec ces putains de machines. Vous ne serez pas mort pour rien. Jack, tu connais la différence entre un putain de robot et une sauce napolitaine? Vas-y, dis toujours. Aucune! Ils sont tous les deux automates. T'as pigé? Automates. Ah, ok. Bon, ben, je vais faire la vidange. Je reviens. Ouais! Automates! T'es encore en train de te foutre de ma gueule. The Make. Vous êtes charmant, mademoiselle. Puis-je connaître votre nom? Comment ça? Je n'ai pas assez de mégabits. Le décryptage a l'air de fonctionner. Monsieur West, on va peut-être y arriver.
Ok les matheux. Et si votre bazar fonctionne, c'est quoi le plan? J'imagine que vous n'allez pas débarquer comme ça avec votre bite et votre couteau. C'est exact. Pour désactiver les défenses de Magnatro et activer l'ogive nucléaire qui se trouve en sous-sol, il nous faut nous connecter à l'unité centrale. Il a raison. Et que quelqu'un se glisse à l'intérieur. Le problème, c'est qu'on est de moins en moins nombreux. Va vous falloir un mec qui en a des grosses comme des cœurs de bœuf. Notre monde a besoin de héros, Monsieur Rain. Minute. Je suis pas un héros. Je suis juste un cuistot. C'est moi qui irai à l'intérieur. Tu crois pas que je vais te laisser la primeur leur botter le cul toute seule? Ok, je veux bien vous filer un coup de main. Mais avant ça, j'ai besoin de faire la cuisine. Je crois bien que j'ai un truc pour vous. Un Glock 19. Vous faites dans le vintage? Un automatique? Pas mal. Mais il va me falloir un truc un peu plus épicé. Comme ceci, par exemple? Là, tu me fais plaisir. Il nous a retrouvés. Cette fille va se faire tuer. Allez, amène-toi, le robot. Sale ordure. Avec ça, tu feras moi le malin. Il semblerait que le C9000 ait retrouvé notre trace. T'inquiète pas, bébé, personne ne touchera à tes connectiques tant que je serai là. Monsieur West, combien de temps avant la fin du transfert? Il reste encore 20%. Qu'est-ce que vous faites avec ce fusil? Je veux un cobaye. Je veux lui botter les pistons et nous le ramener, Monsieur West. Cet humain est vraiment trop stupide. C'est quoi le plan maintenant? Tuer cette putain de machine. Ok. Attention! Booker. Désolé. T'as vraiment une sale gueule, mec. Espèce de monstre! Vous ne vous en sortirez pas vivant. Cette machine ne craint pas les balles. Je l'ai vu éliminer un par un toute votre unité, sans broncher. Stacy, prends-la avec toi. Moi, je vous couvre. Tu n'y arriveras pas tout seul. T'inquiète. Avec ça, il va déguster. Sois prudent. Ah !
Il reste des survivants ? Non, pas ici. Mais il y en a encore dans l'autre bâtiment. Allez chercher les survivants et sortez d'ici le plus vite possible. Les machines sont sûrement en route. Que Dieu vous bénisse. Dieu, ça fait bien longtemps qu'il nous a oubliés. Juste du sang. Hé, hey, l'idole des monstres. Bien joué. Enfant de putain. Il arrive. Ah, Monsieur West et ses expériences. Alex. Comment tu te sens? J'ai vraiment cru que ça y est, tu étais... Non, j'ai autre chose à te foutre que de crever. J'ai un cyborg à démonter. Et là, il m'a vraiment foutu en rogne. Faut se dépêcher, il se dirige vers le labo. Barry. Ce qu'il veut, c'est détruire Barry. Et pas question qu'il touche à mon pote. Approche le toaster. Docteur Garrett a une surprise pour toi.
T'as vraiment pas une gueule de porte-bonheur. Aussi apparemment, le fils de pute. C'était quoi ça? Les patrouilleurs. Les machines seront là d'ici quelques minutes. Et on va la voir bien profond dans le cul. Stacy, fonce sur la boîte directe récupérer les autres avant qu'il ne soit trop tard. Moi, je vais chercher de quoi cuisiner. Il est temps d'envoyer la sauce. Ça y est, le transfert est terminé. Encore un instant, et bingo. Et le merci, c'est pour les chiens? Non, mais les bonnes manières se perdent, on dirait. Mange-moi ça. Ça va, rien de cassé? Ça va? Ouais, ça va. C'était moins une. Ouais. Faut pas rester là, les autres vont arriver. Ça marche. Je récupère Barry et on se taille. Bon, c'est pas trop tôt. Je commençais à m'ennuyer, moi. Désolé, bébé, mais fallait bien que notre histoire se termine un jour. Je sais, sois forte. West. Je crois bien que je suis foutu. Stacy. Prenez Sark. C'est le programme pour détruire Magnatron. Pour faire une bonne sauce.
avoir une bonne poêle. Mon radar me dit que les cyborgs sont déjà à l'intérieur. Dommage, je commençais à aimer cet endroit, moi. Approchez, tas de ferraille. Vous allez déguster. Oh non, ça recommence. Je suis trop jeune pour voir ça, moi. Marie, mode censure activée. Alors c'est ça, Magnatron. Oui, et c'est ici que tout se termine. Ok, donc le plan c'est, on se radine là-bas, on défonce du cyborg, et je lui casse ça dans le cul. C'est le plan. Tu peux dire à Barry de faire son entrée. Barry, musique, maestro. Salut les frangins! Alors, vous venez me faire un gros câlin? Super Barry est là! Et cette fois, je compte bien gagner la partie! Je sens qu'on va s'amuser comme des petits fous! Deal, cuistot. Si on s'en sort vivant, tu me la feras goûter, ta fameuse sauce? Compte sur moi, belle brune. En attendant, on a du cyborg à casser. We'll be right back.
Cyborg Deadly Machine, les figurines du film. Toi aussi, deviens un combattant du futur aux côtés de Stacy, Alex et Barry et rejoue les meilleures scènes du film. Booker, désolé, t'as vraiment une sale tête. Utilise ton blaster ou ton super coup de pied et détruis le terrible cyborg. Espèce de monstre. Cyborg Deadly Machine, à toi de sauver le futur. Figurines vendues séparément. Même journée, même merde.